Étant donné que vous avez monté votre propre tribunal et vous voulez jouer au juge, alors on va le faire. Le juge de ce côté, l'accusé de l'autre. Tu n'es pas obligé de faire ça. Bien sûr que si. Si. Je suis bien coupable après tout. Allons-y. Allez, posez-moi toutes vos questions. Vous avez trahi Dagan. Pourquoi ? Je n'ai pas trahi Dagan. Oh que si. Vous l'avez appelé pour lui dire que Dagan allait lui tendre un piège, n'est-ce pas ? Dites-nous pourquoi. Frère, ça suffit. Hein ? Regardez-moi, ma fille. De quel côté êtes-vous, hein ? Quel est votre objectif ? Ça suffit, frère. Ça suffit pourquoi ? Ça suffit pourquoi ? Ne parle pas comme ça, Selvi. Détachez-le. Yilmaz. Écoute, j'ai besoin de toi. Si tout ce que tu viens de dire est vrai, si nous avons un ennemi commun, alors tu seras là quand j'aurai besoin de toi. Écoute, je me fiche de savoir à quel point tu t'es désespéré. Ta défunte sœur, je me fiche de savoir à quel point elle était innocente. Je m'en fiche. Digé. Quand j'avais demandé pourquoi tu avais appelé Yilmaz, tu avais répondu pour me protéger. Tu voulais soi-disant me protéger. Foutaise ! Selvi, je te le demande. Es-tu vraiment mon ennemi ? Mais tu n'es pas mon ami. Pourquoi, Selvi ? Est-ce que tu fais toujours des choses dans mon dos ? Peu importe où je vais ou ce que je fais, tu finis toujours par apparaître quelque part. C'est pour pouvoir protéger les gens que j'aime. Ah. Pour protéger les gens que tu aimes ? Alors dis-moi qui sont ces gens. Toi. Ma famille. Qu'en est-il d'Ender? Tu es surprise, hein? Tu croyais que je n'étais pas au courant. Tu as un passé avec Ender. Je sais ce qu'il a fait pour toi. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas d'excuse sauf celle d'avoir été une gamine. C'est beaucoup mieux de mourir de façon honorable. Tu as peur parce que tu as toujours une dette envers lui. Je ne lui dois rien. Ah, vraiment? Tu étais SDF quand tu étais gosse. Tu es tombé malade. Ton traitement a été payé par un bon samaritain, Ender Yuranel. Et aujourd'hui, tu lui dois encore cette faveur. Tu dois le rembourser, donc tu le protèges, n'est-ce pas ? Je t'ai posé une question !
Ne me crie pas dessus. Ne me crie pas dessus. Je n'ai jamais essayé de le protéger, tu dois me croire. La seule raison pour laquelle je l'ai rencontré, c'était pour t'empêcher de faire quelque chose de stupide, c'est tout. Va dire ça à quelqu'un d'autre, d'accord? On ne sait toujours pas à qui était le troisième cercueil. Nous savons pour qui était le deuxième, mais le mystère du troisième est toujours non résolu. Tu crois que je suis un idiot, hein, c'est ça? Mais je ne le suis pas. Je ne suis pas un imbécile. J'ai attendu tout ce temps pour te prendre la main dans le sac. Quoi? Tu m'avais tendu un piège? Tu voulais m'attirer dans tout ça? Ce n'était qu'un jeu. Hein? Dans tes bras quand tu m'embrassais, c'était un jeu. Quand nous nous sommes touchés, quand nous nous sommes embrassés, j'étais aussi faux que toi. Maintenant, dis-moi la vérité. Qu'est-ce que tu as à voir avec ces hommes? Pourquoi autant de mystères? Écoute, je n'ai rien à te dire. Sylvie, sors d'ici. Je ne veux plus te voir ou t'entendre. Allez, va-t'en. Geri gelmez ki.
kuşlar yapraklar, ıssız kalır topraklar. Üstüne basıp geçerken fark edilmez ki, kimse bilmez ki. Üzüm neden gülmüyor? Olmuyor, gülüm olmuyor. Sular bendine dolmuyor. Bir acayip derde düştüm, kimse dermanım bilmiyor. Olmuyor, gülüm olmuyor. Sular bendine dolmuyor. Bir acayip derde düştüm ben. Derdi kendimle görüştüm ben. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Frère, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le suit? Nous avons des choses plus importantes à faire, mon frère. Comment? Ender. Ender. On va l'achever, mes frères. Peu importe ce que dira Dagan. On n'a pas besoin de son accord pour le tuer. Nous allons faire ce que nous avons convenu de faire. Vous voulez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez? Je ne viendrai pas vous voir. Je ne viendrai pas. Je ne ferai pas ce que vous m'avez demandé de faire. Vous ne pouvez plus vous servir de moi. Qu'est-ce que vous allez faire, hein? Tu vas le regretter. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire à Dagan qui je suis vraiment? Allez-y. Allez-y, faites-le. Parce que je n'en ai plus rien à faire de tout ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma beauté, hein? On commençait à bien s'amuser. T'es en train de te gâcher maintenant. Écoute-moi. On n'arrête pas un film là où ça devient plus intéressant. À qui tu fais confiance? À moi ou à l'avocate? Eh bien, c'est grâce à l'avocate que je ne suis plus en prison. Docteur, je pense qu'il y a anguille sous roche, crois-moi. Pourquoi est-ce qu'elle a payé Yilmaz pour l'avertir, hein? Ne fais pas l'autruche, mon frère. Qu'est-ce qui te fait croire ça, dis-moi? Yilmaz m'a menti. Il vient de me dire exactement ce que Farid m'a dit. Exactement la même chose. Il raconte la même histoire. Quelqu'un leur a dit à tous les deux ce qu'ils devaient me dire. Selvi protège Ender. Et Yilmaz. Il y a quelque chose qui lie ces trois-là. Yilmaz ne souhaite pas se venger comme il nous l'a dit. Au contraire. C'est l'homme d'Ender. C'est pour ça que tu l'as laissé partir? Oui, pour qu'on puisse jouer d'après leurs règles.
Selby? Ma chérie, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Hein? Ah. Tu es partie après avoir reçu cet appel. Et tu reviens dans cet état-là? Dis-moi, est-ce que c'est le géant qui t'a fait ça, hein? Dis-moi. Si c'est le cas, je vais le frapper avec ma pantoufle, hein? Le géant et moi, nous ne sommes plus ensemble. Vous vous êtes séparés? Nous n'étions rien, lui et moi, de toute façon. Peu importe ce qu'il y avait entre nous deux. C'est fini. Écoute, c'est mieux ainsi, ma chérie. Alors ne sois pas triste, s'il te plaît. Il a pris une mauvaise voie. Il risquait de t'entraîner dans sa chute. Ne sois pas triste, ma fille. Ah, je comprends ce que tu ressens en ce moment, ma pauvre chérie. Peu importe combien tu essaieras, tu ne pourras pas être avec Dagan et tu dois l'accepter. Le pauvre, il a été victime d'une telle injustice. Et ça l'a marqué à vie. On dirait que ça l'a rendu malade. Cet homme ne pourra jamais faire confiance à quelqu'un. Il ne le pourra jamais. Il a raison de ne faire confiance à personne. Je m'en veux tellement, tu sais. Oh, pourquoi est-ce que tu dis ça? Mais qu'est-ce que tu as pu faire à Dagan, hein? Ah, bonjour. Tu vas bien? Je vais au marché, j'ai besoin de quelques trucs et maman va cuisiner pour toi ce soir. Qu'est-ce qui arrivera à notre enfant? Notre enfant? Il est mort, mon enfant. Maman? Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose? Non, je vais bien. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Dis-moi, est-ce qu'Aïssé est blessé? Non, mon chéri, je t'ai dit que tout le monde va bien. Alors, tu peux me dire d'où provient ce sang? Écoute, Dagan, c'est l'enfant de nos voisins. Il s'est blessé quand il jouait dehors, alors je lui ai fait un pansement. Le gosse des voisins. Le gosse de qui?
Je vais aller soigner sa blessure, moi aussi. Pourquoi tu exagères comme ça? S'il y avait quelque chose, je te dirais, d'accord? C'est quoi leur numéro de téléphone, maman? Dis-moi. Comment veux-tu que je le sache? Ils jouaient derrière la porte. D'accord, dans ce cas, je vais aller demander à tout le monde. Ben vas-y, va te ridiculiser. Je t'ai dit que ce n'était rien, alors pourquoi est-ce que tu insistes? Maman! Ces types avaient capturé papa! Ces bandits lui ont tiré une balle dans la tête et ils l'ont laissé comme ça dans un sac! Pourquoi est-ce que tu mens, maman? Dis-moi qui a été blessé! Beryl. Saïka, je dois absolument parler à Beryl. Dagan, ce n'est pas possible. Beryl a fait quelque chose de mal. Elle a blessé Elder. Nous sommes au commissariat. Je suis avec le chef détective, Ridvan. J'arrive tout de suite. Ah, salut. Ah, c'est vous? Comment ça va? Vous me suivez ou c'est juste une impression? Non, pas du tout. En fait, ma tante vit ici. Je suis venu lui rendre visite. Elle est malade. Ça ira, j'espère. Vous allez me voir plus souvent par ici. Je m'appelle Yilmaz. Et je suis Aïché. Je suis enchantée. Qu'est-ce que vous faites, Aïssé? J'achète des légumes. Ah d'accord, je voulais dire dans la vie, parce que vous travaillez. Je me prépare pour les examens universitaires. Qu'allez-vous étudier? Le droit. Qu'est-ce qu'il y a? Ça m'a juste rappelé quelqu'un que j'aime beaucoup, et qui voulait aussi étudier le droit. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons qu'on s'est un peu perdu de vue. Je vois. Je peux vous aider? Bon, bah, bonne journée. Oui. Bonjour, je suis Selvin Ardan. J'aimerais avoir quelques renseignements concernant mon client Dagan Soysour. Est-ce que vous pourriez me dire s'il y a un mandat d'arrêt contre mon client? Il y en a un. Je comprends. Merci. Passez une bonne journée. Au revoir. C'est une bonne chose que le malade vienne voir son médecin. On vient de recevoir un mandat contre vous, parce que vous avez osé désobéir à l'ordre du tribunal. Et Ender Yuranel... Mais qu'est-ce que vous faites? Détendez-vous. Vous trouverez bien un moyen. Vous n'aurez qu'à inventer quelque chose. Regardez-moi. C'est ce que je fais. Comment pouvez-vous être si confiant? Vous allez vite comprendre pourquoi je suis si confiant. Il faut que je voie Beryl. Ouais. Dagan. Vous pouvez...
pouvez nous laisser, s'il vous plaît. Je n'ai rien fait. Il s'est infligé ça lui-même. C'est Ander qui a fait ça. C'est rien du tout. Beryl. Où est notre enfant? Tu es donc au courant? Ça veut dire qu'on a un enfant? Ce salaud dit la vérité. Où est-il? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en vie. Il est vivant. J'étais obligée de te mentir, Dagan. Ander t'a forcé à mentir. Je n'étais pas certaine de vouloir garder cet enfant. Il aurait été le fils présumé d'un tueur, n'est-ce pas? Dagan. J'étais perdue. Je ne savais plus quoi faire. J'étais vraiment perdue. Tu l'as mise au monde. Parce que je t'aimais de toutes mes forces, Dagan. Je ne pouvais pas faire du mal au fruit de notre amour. Où est-il maintenant? Je ne sais pas où il est. Je n'ai pas allaité l'enfant après mon accouchement. Je ne pouvais pas le toucher. J'ai eu beaucoup de mal à l'aimer. Dagan, j'étais perdue et je me sentais seule. Ça n'a pas été facile pour moi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai demandé à Ander de faire adopter l'enfant. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as osé demander à Ander? Tu as demandé à cette ordure? De se débarrasser d'une partie de nous deux. C'est notre enfant, tu entends? Tu ne peux pas te débarrasser de lui comme d'un vulgaire sac poubelle. Dagan! Tu n'es pas différent de ces dames qui accouchent dans les toilettes et qui disparaissent ensuite. Qu'est-ce qui te différencie d'elle? C'est un garçon ou une fille? C'est un garçon. Il s'appelle Osgur. Osgur. Il doit être formidable. Dagan, je m'en veux énormément. J'en souffre jour et nuit, tu sais. Mais tant mieux. Écoute-moi bien. Cette douleur que tu ressens, tu l'élèveras comme si c'était ton enfant à partir de maintenant. Tu nourriras cette douleur comme si tu nourrissais ton propre fils. Parce que je serai un père pour mon fils. Je vais lui rajouter le nom de mon père, Ali Losgur. J'ai bien l'intention de lui donner une famille. Et toi, tu seras simple spectatrice. Tu ne pourras que regarder. Regarde. Alors considère cette douleur comme un cadeau. Tu ne pourras rien y faire. Dagan.
Tout va bien? Personne t'a suivi? Tout va bien? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Ils t'ont fait quelque chose? Dis-moi ce qui se passe. J'en ai assez de tout ça. J'en ai assez. Est-ce que tu comprends? Ça suffit. Je n'en peux plus. Je savais qu'il n'y avait aucun moyen de se racheter. Je ne peux plus porter ce fardeau, je t'assure. C'est devenu trop lourd. Je suis fatiguée. J'en ai marre d'être toujours sur mes gardes et de devoir mentir aux gens. Je suis fatiguée. T'as fait libérer cet homme. Et c'est toi qui l'as poussé à nos trousses. Je t'attendais à quoi? À rien. Je ne m'attendais à rien du tout. Peu importe où mon regard se pose, je vous vois. Soit Dagan, soit toi. Écoute-moi. Tu es devenu mon enfer. Tu ne fais que nourrir le feu. Parce que t'es tombée amoureuse. C'est parce que t'es tombée amoureuse de cet homme que nous en sommes là aujourd'hui. C'était pourtant très clair, Vildan. Écoute, tu n'aurais pas dû continuer à le voir après que tu l'aies fait libérer. On s'était mis d'accord. Mais comme d'habitude, tu n'en fais qu'à ta tête. C'est de ta faute. Ça, c'est de ma faute. Vildan. Vildan. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais tout avouer à Dagan. Qui je suis réellement. Et aussi ce que j'ai fait. Tu vas me balancer, c'est ça? Je vais me dénoncer, moi aussi. Tu aimes cet homme autant que ça? Je ne peux plus porter ce fardeau, j'en peux plus, tu entends? C'est la chose la plus stupide que tu puisses faire. Écoute, c'est la meilleure chose à faire. Et Ender? Il ne nous épargnera pas. Écoute, Ender peut faire ce qu'il veut. Je n'en ai plus rien à faire. Je m'en fiche pas mal. Très bien. Bah, va lui parler. Tu t'es perdu. C'est évident. Ça se voit que t'es complètement perdu. Et tu le sais. Tu vas perdre Dagan aussi. Est-ce que t'en es conscient? Tout ira bien pour lui. Parce que justice... Il n'aura aucune justice pour lui. C'est Ender qui m'inquiète. Est-ce que tu comprends? Il a tiré une balle dans la tête du père de Dagan. Tu crois qu'il va l'épargner? Cette espèce d'imbécile de Dagan n'a toujours pas été arrêté? Ne vous inquiétez pas, je m'en suis occupé. Alors comment avez-vous fait? Il est libre. Il n'était pas censé s'approcher de moi à moins de 2 kilomètres, mais il s'est jeté sur moi. Vos gardes du corps l'ont signalé. Le procureur a déjà délivré un mandat d'arrêt contre lui. Et? Je ne ferai rien. Je trouverai un moyen de contourner cet ordre. Ridvan, vous êtes devenu fou? Vous avez changé de camp? Écoutez, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Mieux pour nous deux? Écoutez, son avocate, Sylvie Nardan, elle a trouvé des informations qui pourraient me nuire. Et bien sûr, elle en a parlé à Dagan. Ils ne peuvent pas vraiment me faire du tort maintenant. Mais il n'empêche que c'est très inquiétant vu que cette enquête sur le meurtre de Halil Soïssour est toujours en cours et il faut faire attention. Vous ne voulez pas admettre que vous n'avez pas osé, mais... Vous ne devriez pas non plus. Si jamais je plonge, vous plongez avec moi. Je n'arrive pas à le croire. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Ce que tu as fait, c'est une tentative de meurtre. Sur mon pauvre fils. Asuman. Beryl, je te connais depuis que tu es toute petite. Tu as toujours été tendre et gentil. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous pour que les choses dégénèrent? Votre fils m'a torturé. Il est amoureux de toi, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu veux en parler? J'ai vraiment honte. Elle lui trouve une excuse pour son crime. Je vois que tu es au courant de tout.
Vas-y, explique-nous ce qui s'est passé. Quelle est cette excuse qu'elle essaie de trouver? Tu ne comprends toujours pas ce qu'elle essaie de dire? Je refuse d'accepter ça, c'est un mensonge. Mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Il n'aurait jamais maltraité une femme de cette manière. Est-ce que vous allez vous taire? Quand tu te casses le bras, tu n'en parles pas, Beryl. À vous aussi. Nous devons éviter tout scandale, ma fille. Personne d'autre ne doit être au courant. Je te demanderai donc de ne pas dévoiler ces détails quand tu témoigneras au tribunal. Dévoiler ces détails? C'était la plus longue et la pire nuit de ma vie. Vous n'avez pas idée. Tu oublies que tu as blessé mon fils? Mais dites-moi, quel genre de femme êtes-vous, hein? Quel genre d'être humain êtes-vous? Fais très attention à ce que tu vas dire, ma fille. Je n'ai rien fait à votre fils, croyez-moi. Il s'est lui-même infligé ses blessures. Saïka t'a vu. Tu lui avais mis le couteau sous la gorge. Désolée, j'ai paniqué, j'ai appelé l'ambulance et la police. C'est difficile de savoir quand ton fils ment ou quand il dit la vérité. Ça suffit maintenant. Ton père t'a confié à moi, ma fille. Je serai toujours là pour t'épauler. Mon but est de gérer cette crise au sein de la famille en faisant le moins de dégâts possible. Je te le demande en tant que père. Ou du moins en tant que l'ombre de ton père dans ce monde. Alors si tu as un peu d'estime pour moi, ne nous rabaisse pas devant le juge, s'il te plaît, Beryl. Un petit différend familial. Pendant le dîner, le couteau s'est retrouvé entre les mains d'Under. Ça arrive au meilleur d'entre nous, n'est-ce pas? Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui mange des oranges en buvant du café. Mais les oranges et le café, ce n'est pas le remède qu'il te faut. Il te faut autre chose. Tu devrais peut-être partir en vacances. Tout ça n'était qu'une mise en scène, c'est tout. Quand on riait ensemble, quand on se tenait la main et s'embrassait. Je croyais que nous marchions dans la même direction. Tout n'était que mensonge. Oh non, mais enfin, ne dis pas ça. Car ce n'est pas vrai. Ce n'était pas un mensonge. Dommage. C'était pour en arriver là. C'est beaucoup mieux ainsi. Dagan se servait de moi. Comment pouvait-il avoir un tel regard? Dès qu'il posait les yeux sur moi, je me sentais différente. Même le regard de Dagan était un mensonge. Je vais me mettre au travail. Ça me changera un peu les idées. S'il vous plaît, monsieur. Nous voilà exposés aux médias. Tu aurais dû d'abord nous appeler, Beryl. Les gars, reculez. Mademoiselle, s'il vous plaît, reculez. Vous avez été libéré sur parole, c'est exact? Avez-vous fait exprès de blesser votre mari? Monsieur Ender, allez-vous divorcer après cet incident? Comment êtes-vous arrivé à une telle conclusion? Nous n'allons pas divorcer. Il ne s'agit que d'une simple dispute entre mari et femme. Monsieur Ender, qu'en est-il des égratignures sur votre visage? Vous avez un commentaire à faire à ce sujet? C'était un accident. Ma femme ne ferait pas de mal à une mouche. Elle n'est pas du tout agressive. Je ne veux surtout pas rentrer avec lui. D'accord, mon enfant. Tu viens avec nous de toute façon. Asuman, Saïka, emmenez Beryl à la maison. Madame Beryl! Madame Beryl! Madame Beryl!
Ça suffit maintenant. Il y aura une déclaration plus tard. Allez, c'est fini, c'est fini, les gars. S'il vous plaît, c'est terminé. C'est terminé, les gars. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je suis là, regardez-moi. Peu importe ce qui s'est passé entre vous deux, tu ne dois jamais abuser d'une femme, tu entends? Ni la frapper. Tu veux vraiment me faire croire que c'est Beryl qui t'a infligé tout ça? Parce que je ne te crois pas. Papa, c'est bien Beryl qui m'a fait ça. Je n'ai pas levé la main sur elle. Crois-moi, papa, je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Écoute, ne viens pas au bureau, Ender. Une semaine, 10 jours, ou même plus, ce serait mieux pour toi. Et elle travaille? Ne t'inquiète pas, ta sœur s'en chargera. Je pense que tu devrais rester loin du public. Jusqu'à ce qu'on oublie cet incident. Où est mon fils? En fait, il est un peu malade. Quand il ira mieux, je ferai les présentations. Dis-moi où est mon fils. Je ne vais pas te le dire, Dagan. Je veux garder le contrôle que j'ai sur toi. Frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Espèce de malade. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu aussi surpris? Ne fais pas cette tête, tu es habitué. J'ai l'impression d'être sur un ring. Je te jure, tu m'as vraiment bien eu. Ah. Espèce de cinglé. Quand est-ce que je vais voir mon fils? Quand je le déciderai, évidemment. Un jour. Deux jours. Trois jours. Tu crois que tu peux prolonger le temps qu'il te reste à vivre? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Tu ne m'échapperas pas. Demain, tu vas me ramener mon fils. Du thé vert au jasmin. Ça t'aidera à te calmer. Je suis calme, Saïka. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû appeler la police, mais quand je vous ai vus tous les deux comme ça, je... Pas. J'aurais fait la même chose si j'avais été à ta place. Beryl. En tout cas, moi, je te crois. Je te crois quand tu dis que Ender s'est lui-même infligé ses blessures. Tout ce que tu as dit est vrai, je le sais. Merci. Mais ça n'a aucune importance. Tu vois, il n'arrivera rien à Ender. Peu importe ce qu'il fait aux autres. Je suis sûre qu'il est dans la maison de mon père. À se détendre en écoutant de la musique et à s'amuser, j'en suis sûre. Je pense que c'est là le problème. Écoute-moi, tu n'as jamais vraiment pris ta vie en main, Beryl. Tu n'as jamais vraiment vécu ta vie. Tu laisses Ender contrôler toute la fortune que ton père t'a laissée. Après avoir tout perdu, tu crois que je pensais à l'argent? Est-ce que tu veux échapper à Ender ou pas? Bien sûr. Alors tu dois te soucier de ton argent. Tu dois reprendre le contrôle de toutes les parts de la société. Tu dois reprendre tout le pouvoir que tu lui as donné. D'abord tu l'affaiblis, puis tu le détruis.